Avec ton ami Curtis. C'était à l'hôtel, mon amour. De toute façon, il m'a. Je sais pas quoi. Il m'a retourné et retourné et retourné sans pitié. On dirait que c'était le dernier jour de ma vie, tu vois. On dirait que j'allais perdre la vie ce soir-là. On dirait que c'était, je sais pas, mon dernier souffle. Bébé, non, mais tu devrais apprendre chez lui. Hein. Madame Chaper en rouge, excusez-moi. Pardon? Non, c'est... Hein? Vous êtes chez moi. Allez. Voilà. C'est bon. C'est bon. On comme a ça. Beaucoup plus sur pomme, bébé. Mais tu te rappelles de notre salutation? De notre salutation. Comment on le fait? Eh ben. J'ai pas envie de divorcer pour rien au monde, je divorce. Bon, moi, là, mais t'as qu'à là. A tout fini, dis Elle me relate ces faits, ces scènes-là, dans le moindre détail. Non, tu es en train de position à moi, non, tu es en train de débrouiller, et c'est sans vergogne. L'objectif dans tout ça, mon petit-fils, mon petit garçon, l'objectif dans tout ça, c'est de permettre au couple d'éviter, je sais pas, les ennuiements, les incompréhensions, la routine, les disputes inutiles. Et voilà. Yeah, yeah. C'est la paix d'Acosta, soit qu'on y a, non, on est dédié, non. D'Acosta Zali. Aza, quand ta chambre n'a fiancé, n'aie. C'est une blague? Et comment ça, une blague? Il n'y a pas de caméra ici. Mon Dieu. Oh, Nora, sois tranquille, sois à l'aise. Non, mais attends. C'est qui? Sois à l'aise. Attends, c'est qui? C'est ma femme. D'abord, attends, bébé. Quelle malédiction! Mais qu'est-ce qu'il y a, bébé? Mais je vais tout casser. On était sur le point de finir. Hé. Mon amour, arrête ça. Et l'esprit de Dieu! Dis, monsieur. Mais...